Salut à tous, aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va jouer un jeu d'aventure que vous connaissez tous de la télévision. J'ai nommé Fort Boyard. C'est parti! Tin. Attends, je cours, ouais. Attends, ouais. Pepsi, mince. Il s'est passé quoi? Vas-y, viens. Attends, vas-y. Attends, ok, action. Ok. Bah on joue. Allez, c'est parti. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous pourrez télécharger le jeu gratuitement. Et donc, Fort Boyard, c'est avant tout un jeu d'aventure avec des missions et des énigmes à résoudre. Donc je redescends doucement de ma chaise, comme vous pouvez voir, je me suis déjà échauffé un petit peu. Alors, on y va. Il y a deux modes, le mode infini, le mode aventure. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans le mode infini, on va dans le mode aventure. Tapez 1 si vous êtes dans le mode infini. Tapez 2 dans les commentaires si vous voulez le mode aventure. Et moi je pars dans le mode aventure. Oh, putain. Club Cidre, Perforas. La tête du tir. Ok, donc on voit le plan du fort. Ok. Donc on part sur le. On part sur l'étoile numéro 1. Allez, vas-y. Hein. Équipe bleue. À nous le magot de Fort Boyard. Ok, allez, vas-y, je joue. Allez, t'inquiète. Allez, c'est parti. Oui, allez, go. Donc déjà on a un peu la pression du jeu, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Obtenir des boyards. Ok, j'y vais. Ok, allez. Ah oui, d'accord. D'accord. Si, ça va, c'est facile. Faut... Ah non, oui. Des serpents, non. J'ai sauté. Passe Tintin. Et passe Minou. Passe Minou est en bas. Allez, vas-y, passe Minou. Hop. Donc voilà, on y va. Hein. Attention, les trucs. Ah, mais c'est un piège. Oui, je continue. Waouh, des filets, trop cool. Je suis en fantôme. Pourquoi je suis en fantôme? Attention. Hop, les petites pièces. Ah, on va en bas, très bien. À gauche, on saute. À droite. Ah, le jeu est beau, franchement. On saute. On tourne. Ah, le filet. Allez, on continue. Oui, on continue la partie. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je suis en fantôme encore? Objectif atteint. Je sais pas c'était quoi. Allez, vivement les énigmes du père Fouras. Parce que là, je tourne un petit peu en rond autour du... Oh là, oula, j'ai perdu une pièce. Je tourne un petit peu en rond autour du Fort Boyard. Je veux bien, hein. Mais bon, le fort, c'est avant tout les énigmes. Ah, vas-y, passe partout. Qu'est-ce qu'il te dit? Passe partout, vas-y. Où tu veux que j'aille? Alors, j'ai plus de 12 ans. Hop. Trouver le mot de 3 lettres. Attends, je fais le Perforas. Perforas. Ah, vite. Attention, hop. Ok, Perforas. Trouvez le mot de 3 lettres. Reproduisez le mouvement avec le doigt pour valider le mot. Hein? Ok. Moi, j'espère que vous avez compris, hein, parce que moi... Faut trouver un mot de 3 lettres, avec faire le mouvement avec le doigt. Donc allez-y dans les commentaires si vous trouvez le mot de 3 lettres, aidez-moi. Aidez-moi, les copains. Clepsydre, aidez-moi. Alors le mot de 3 lettres, le de 3 lettres. Roi. Ça commence par V. Ok. Non, mais non, j'ai pas eu le temps, la clepsydre. Ah non. Il y a une clepsydre. Ah, il n'y a pas le... Oh non, je vais en prison. Ah non, ça va. Faut pas traîner, hein, sinon on se fait vite clepsydrer, quoi. Ok. J'ai appuyé sur la flèche... Je sais pas où je vais, je sais pas. C'est pas grave. A priori... oui, j'ai appuyé sur la flèche recommencer, voilà. Donc je comprends mon erreur. Ok, donc là en fait je recommence le niveau 1. Mais bon, c'est tant mieux, c'est pour mieux m'échauffer, on est bien d'accord. Oui, ok, passe partout. Ouais, d'ailleurs, vous aimez ou pas Fort Boyard? Moi j'aime bien Fort Boyard. Enfin, moi j'aimais bien avant quand ils prenaient les anonymes. Bon, c'est quand même bien que les gens connus, quoi. Mais je pense qu'ils devraient reprendre, mais avec aussi des anonymes. Et ça me permettra d'aller dedans. Bah ouais. Avec Glandelay et El Pueblo. Ça sera bien rigolo. Et avec le père à Ollivander aussi, pour ceux qui connaissent. Oh là, je me prends le caisson. Je me prends le caisson. Allez, objectif atteint, j'ai pris toutes les pièces.
Maintenant, on retrouve encore hop, le Père Fouras qui va nous arpenter d'une nouvelle énigme. Allons-y, Père Fouras, on vous écoute. Trouvez le mot de trois lettres. Ok, là, je suis chaud, là. J'ai révisé, là. Ok, ouais, non, je connais maintenant. Ok, ça commence par un V. V. Oh, putain! Il donne la réponse dans le tutoriel, c'est vue. Yes! La vue, c'était trop facile! Yes! Allez, trois clés, deux clés. Faites vos jeux. Ok, donc là, je me trompe pas de petite flèche, hein. Faut appuyer sur la flèche et pas sur le gros bouton du milieu. Donc voilà, Fort Boyard Run, il est plutôt sympa. Felindra, tête de tigre. Alors pourquoi il me refait courir? J'en ai marre de courir. Peut-être parce que le jeu c'est Fort Boyard Run. Mais bon, s'il y a que du run, ça pas forcément crazy quoi. Bon, le jeu est un peu répétitif là quand même. Il est. Ah! Dur! Ok. Faut payer les petites piécettes, ok. Hop, petites piécettes. Felindra. Donc, ça reprend les concepts de jeux de course, hein. Il y a aussi Subway Surfer qui sont un peu pareils. Donc, grosso modo, c'est un jeu de course comme Subway Surfer, mais dans l'univers de Fort Boyard, avec quelques énigmes pour agrémenter le tout. Donc, il est pas trop moche, hein, on va dire. Il est assez fluide. Après, je pense qu'on en vient vite à bout. Parce que je trouve qu'on tourne un petit peu en rond, c'est un peu la même chose assez souvent, quand même. Donc, ok. Trouvez le mot de 4 lettres, Père Fouras. Le mot de 4 lettres. Allons-y, Père Fouras. Attention, le mot de 4 lettres. R. Rigi. Rim. Rodi. Rim. Rimo. 21 secondes. Ron. Yes! La clé, 3 clés! Ouais, passe-partout. Ah, c'est dingue! J'ai 32 boyards, allez! 32 boyards dans ma poche. Dépêche-toi, je fais que ça. Niveau 3. Donc, on court beaucoup dans ce jeu, hein. Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est dommage, ça aurait été aussi pas mal de mettre des petits niveaux de. Bah de... un peu plus... enfin pas que de la course. Moi j'aurais mis des jeux aussi de... Bah où il faut faire d'autres choses que courir. Bah d'ailleurs, Joueur de Grenier, il a fait une vidéo récemment sur les jeux Fort Boyard. Et bah là il y a un peu plus d'options parce que là on court mais c'est tout quoi. Mais c'est tout. Hop. Bon ok. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on va retourner au fort. Oui, je veux retourner au fort. Qu'est-ce qu'on a dans les menus? L'extérieur. Donc, on peut vraiment se balader plus loin, peut-être dans la mer, je sais pas. On va retourner sur la home. Donc, après, ce qui peut être marrant, s'il y a vraiment toutes les énigmes, on peut acheter des billets. Non. Alors, on va voir les options. Donc, la musique, la progression, amélioration. D'accord, bah c'est pour quand on court. La boutique, c'est quoi? Bah non, ouais, ça non. Nouvelle zone. C'est quoi cette nouvelle zone? D'accord, on peut aller dans l'extérieur, la coursive, etc. Ouais, donc, ben pour ceux qui aiment bien l'univers Fort Boyard, qui veulent un petit jeu rapide et qui veulent vraiment jouer dans le fort, c'est pas mal. Après, ça peut être un petit peu lassant. Alors pour le coup, le jeu, il est bien fait. Mais pour moi, il vaut pas plus de 12 sur 20. Donc, à vous de mettre dans les commentaires si vous lui mettez une meilleure note. Moi, je lui mets 12 sur 20 Fort Boyard. Il est bien fait, mais je pense qu'on avait vite fait le tour. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et d'ici là, amusez-vous bien!